الحافلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات. نحن طرنا فحياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. فاشهدوا فاشهدوا. Salam alaikum et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est vous l'expert, une émission présentée par la Gazette du Fennec. J'ai la chance aujourd'hui d'être présent. D'abord, bon, on a beaucoup de choses à dire pour ce retard, mais d'abord, je vais accueillir les chroniqueurs qui sont présents. Tout d'abord, coach Fetah. Salam alaikum, coach. Salam, sahaf toulkoum à tous. J'espère que tout le monde va bien, à tous les éditeurs, à tout le monde. On est désolé déjà d'avance pour ce petit contretemps. Voilà, donc indépendant de notre volonté, on va dire ça. En tout cas, indépendant de ma volonté. Yanni, on va accueillir Yanni parce que le coach il va beaucoup parler, je vais en prendre plein la figure. On va accueillir Yanni, salam alaikum Yanni. Salam alaikum Bilal, salam alaikum le coach, salam alaikum à tous nos auditeurs. Bah, on s'excuse pour le contre-temps, du coup, on n'arrive pas à parler, le contre-temps, du coup, et j'espère qu'on va passer une super émission, c'est le plus important, voilà. Ah, ouais, on va pas tout dire, mais c'est de la faute de Yanni, hein. C'est... je sens la raison, c'est pas de ma faute, je veux pas recevoir de messages de fou. Le coup de Ronaldo. Non, les gars, j'ai eu un petit contretemps, un très très gros contretemps, c'était impossible pour moi de faire l'émission. On va pas rentrer dans les détails. ça a dit que tu regardais la lune, Bilal. T'as surveillé la lune, ce qui t'a dit si c'est la lune demain. J'aurais préféré regarder la lune, voilà. Bon les frères, on va commencer cette émission, on va devoir faire très court parce que là il est très tard, donc c'est vrai que on va pas pouvoir détailler autant que d'habitude. Vous savez, d'habitude on prend vraiment le temps pour les émissions, là ça va être très rapide. On a la chance pour cette émission d'accueillir une association, un collectif, il va nous en parler. C'est tout simplement du handisport et c'est le collectif du foot fauteuil des aides. Le représentant, Sofiane, qui est là avec nous. Salam alaikum, Sofiane. Salam wa rahmatullah. Salam à tous. Tu m'as introduit comment, Bilal? Comme le représentant de qui? Du collectif foot fauteuil des aides. Non. Ah non, mais oh là là, tu sais j'ai confondu avec qui, parce qu'on doit avoir recevoir non, le foot fauteuil des aides. Je pensais que tu étais l'invité, c'est la première. C'est Sofiane, non, première. Non, les gars, je suis désolé, je suis dans le vif, voilà, c'est de ma faute. C'est pour ça que j'ai mis Bilal et le problème. Ouais. Voilà, comme ça, c'est signé dès le début. Aujourd'hui, c'est en live, voilà. On peut pas se tromper. Sofiane, tu m'excuses, mon frère. Salam alaikum, Sofiane, comment tu vas? Ouais, excellent. Là. Merci en tout cas, merci à vous. Et c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Je te réintroduis mieux, Sofiane. Sofiane, spécialiste. Tu es coach à Lyon-la-Duchère, je ne me trompe pas. C'est ça. C'est okay, ça, oui. À Lyon-la-Duchère, on est bon. Un auditeur de longue date qui nous a sollicité pour être présent dans l'émission. On a trouvé le profil très intéressant. On t'a invité pour participer. C'est ta première. Et Inch'Allah, attention, hein, tu connais de toute façon l'émission, tu connais l'équipe qu'il y a derrière. Exactement. Il y a les rabis et tout ça. C'est très bien qu'eux, ils y vont à fond. Merci en tout cas, merci pour l'invitation. Ouais. C'est un plaisir, Sofiane, que tu sois avec nous. Wallah, Tahar, mashallah, il n'en rate pas une. Il n'en rate pas une directement. Il a mélangé foot fauteuil et un autre maire de Lyon, la Tuchère. J'abandonne. Ah, je veux dire. Les gars, bien évidemment, il y a Edem, cette fois-ci, je ne me trompe pas. Représentant de foot fauteuil des aides. D'accord ? C'est un collectif algérien
du coup de foot en fauteuil. Donc c'est du handisport. Il est représentant et il cherche quand même beaucoup plus de visibilité. Il a déjà été partagé par des footballeurs professionnels de l'équipe nationale, dont Riyad Mahrez et d'autres joueurs et d'autres personnalités. L'objectif, c'est de faire monter, bien évidemment, ce genre de collectif, ce genre de programme sportif, parce que, comme vous l'avez vu, il y a plusieurs programmes. On l'a renvoyé avec El Deoricho, le petit frère de C'est vous l'expert, qui a ouvert ses portes avec Hichem à la représentation. Il y a aussi le football féminin, Yanni, qui est la petite sœur, maintenant, de C'est vous l'expert, qui va sortir. Inch'Allah, dans quelques jours, dans une semaine, on va dire, Bilal. Oui, c'est ça. Et je rajouterai même le face-à-face que je dois animer et bientôt, Inch'Allah. Voilà, donc j'essaie de peaufiner ça. Voilà, j'essaie de peaufiner ça. Donc j'ai eu l'honneur de faire le montage. C'est toi qui as fait le montage. Pas encore. Non, ouais. tu m'as donné l'honneur de faire le montage. Oui, bien sûr, voilà. C'est l'émission C'est vous l'expert qui fait des petits, Inch'Allah, ça va le faire. C'est le cas, en plus très très bien entouré, donc normalement ça devrait faire plaisir, et c'est surtout l'objectif de mettre en lumière à chaque fois différents compartiments, donc par exemple justement les spécialistes arabophones et aussi justement le foot féminin à mettre en valeur. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on reçoit Edem, qui est le représentant du collectif Foot Fauteuil des Aides et qu'on a l'honneur d'avoir avec nous. Salam alaikum, Edem. Salam à tous. Comment ça va, Edem? Ça va, et vous? Alhamdoulilah. On est désolé pour le retard de l'émission. Comme par hasard, ça tombe sur l'émission où tu es là. Ça va, pas trop fatigué? Non, t'inquiète, ça va. Alhamdoulilah. Je sais que tu as quelques minutes à nous accorder parce que demain, tu as un programme assez chargé, c'est ça? C'est ça. Adam, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du Foot Fauteuil des Aides? Est-ce que c'est un collectif, c'est une association? Comment ça marche? Moi, je suis fondateur du projet Équipe nationale d'Algérie avec mon adjoint Yassine qui est dans le chat. On est 7 joueurs franco-algériens de Pompodeuil à vouloir une équipe nationale d'Algérie de football. Ça veut dire, donc là, vous, du coup, pour l'instant, vous êtes 7 joueurs, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et le collectif, il a pris forme où, ici, sur Paris, c'est ça? Non, sur les réseaux. D'accord. Du coup, c'était vraiment sur les réseaux que vous vous êtes rencontrés. Et ça fait combien de temps? Là, ça va faire un an qu'on se bat pour que la FAF nous voit et créer une équipe d'Algérie pour fauteuil. D'accord. Et du coup, comment ça se passe un peu les... Vous faites quelques matchs, vous avez la possibilité de jouer sur des compétitions. Comment vous réussissez à vous développer pour l'instant? Nous, on est dans le championnat français. Dans le championnat français, il y a 4 divisions. Des 4 régionales, des 3 nationales. Des 2, X2 et des 1, X1. D'accord. On a eu plusieurs articles
concernant le projet, plusieurs vidéos dédicacées m'auraient avec Pokéblanc et d'autres. Et là, on est... Comment ? Riyad Mahrez aussi, on a vu. Oui. Oui, ça prend de l'ampleur. Ok. Et cette, du coup, pour ce projet, on a vu, hein, comme l'a répété Yannick, comme tu l'as répété, il y a eu quand même pas mal de joueurs. Aris Belkebla, on a Riyad Mahrez et d'autres joueurs qui ont déjà partagé votre projet. Aujourd'hui, pour être mis en contact avec la FAF, est-ce que comment on pourrait vous aider à vous développer pendant ce temps-là? Ah, le son. Ah, Adem, on t'entend pas. Il faudrait regarder au niveau du son, mais je crois que ça a coupé. Alors, on va essayer de tenter quelque chose. Hop. Ben, on a aussi Yacine Ben Seguir. Alors, ouais, il voulait participer à l'émission. On va essayer de voir. Edem, est-ce que quelqu'un peut vérifier pour le micro? Parce que là, pour l'instant, c'est... pas longtemps. Ouais, on tu arrive pas. Ouais. Ouais. Oui, ouais, ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça, c'est ouais, parfait. Adem, du coup, je te repose la question. Je voulais savoir si Yacine a vous dit. Ouais, on va le recevoir tout de suite. Du coup, on fait monter Yacine Ben Seguir avec nous. Salam alaikum, Yacine, comment tu vas? Vous m'entendez? On t'entend oui, très bien. Très bien, Yacine. Comment c'est tu vas, Yacine? On t'entend très bien. Ouais, très bien. Ok. Salam alaikum tout d'abord. Alaikum salam. Yacine, je te repose du coup dans la continuité de la question qu'on pose à Edem. Je voulais savoir qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les auditeurs et tous ceux qui sont… Attendez les frères, ça se répète. Alors. Ça se répète. Ah, il y a de l'écho, ouais. Est-ce que là, tu nous entends mieux? Ça se répète, ça se répète. Ah, il y a de l'écho? Ouais. Okay. Alors, peut-être ça vient de ton côté. Est-ce que tu peux essayer de te déconnecter? Ça se répète, il y a trop d'écho, les frères. Est-ce que tu peux te reconnecter? Alors, attends. Je veux essayer. Alors. Hop, on est désolé, hein, on essaye de régler un peu les soucis un peu de micro, les problèmes audio. Yacine, là, tu arrives à nous entendre bien ou ça, il y a encore de l'écho? Il y a encore de l'écho. Je vais présenter Yacine. Yacine est un participant du projet qui est dans le collectif Fauteuil des aides, qui est aussi un joueur de cette équipe. Une équipe, on l'a rappelé, Edem, 100% algérienne, des franco-algériens qui se sont rencontrés sur les réseaux sociaux et qui ont décidé de créer justement cette association, ce collectif, pour créer à la fédération une partie handisport spéciale pour le foot algérien en fauteuil. Et leur objectif principal est de se faire avoir plus de visibilité pour être vu par la fédération. Et l'objectif, c'est d'être pleinement, tout simplement, reconnu par la fédération comme un collectif faisant pleinement partie de cette fédération algérienne, tout simplement. Edem, est-ce que tu nous entends? Oui, et vous? Oui, c'est bien, c'est bon, c'est parfait. On a un petit peu des problèmes de connexion avec Yacine, ou en tout cas des problèmes d'écho. On va continuer avec toi. Edem, oui. Je te pose la question pendant que ça coupait. Je te posais la question pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, nous et les auditeurs, tous ceux qui sont concernés par ce projet et qui voudraient aider. Comment on pourrait vous aider, justement? Déjà, en
vous abonnant à notre page Twitter, Foot Fauteuil des Dettes. Dans un deuxième temps, de partager à fond pour que Yabab nous convoque et nous donne la chance de défendre notre projet. D'accord, donc du coup, effectivement, comme vous l'avez entendu, les frères, c'est un vrai appel de Edem, machallah, c'est très courageux. J'ai eu la chance de participer à des événements handisport ici en France, et je vous promets que ça demande un courage. C'est pas une question de mobilité ou pas de mobilité, c'est une question mentale. C'est vraiment machallah, ils ont un mental qui est incroyable. Wallah, ils sont diminués certes de manière motrice, mais je vous promets que mentalement, c'est impressionnant. Je ne sais pas si demain, il nous arrive un accident. Je ne sais pas si on aurait la force, nous, de pouvoir nous battre autant pour nos droits et des choses qui sont très simples. Ce n'est même pas des choses qui sont incroyables à demander. C'est des choses qui sont très, très simples. Et mashallah, ils ont une force mentale qui est impressionnante. Il faut le vivre, il faut les rencontrer, il faut le voir. Et si vraiment... voilà, vous voulez vraiment participer à ce projet, un peu de soutien et même beaucoup de soutien, les réseaux, allez s'abonner, liker, partager, c'est très très important, c'est très très peu pour vous, chacun d'entre vous, mais au final pour une page c'est énorme. Donc voilà, Foot Fauteuil des aides, on suit. Edem, une petite question d'un auditeur, on aimerait savoir... est-ce que t'as un joueur préféré? Qui est ton joueur préféré? Ben oui, Juliette Mahrez. Ah ouais. On s'inspire de lui au fauteuil. C'est vrai? Et ouais. Pour les contrôles, t'arrives à nous faire des contrôles aussi magistrales que Riyad? T'inquiète, je te montrerai. Avec plaisir. Edem, une autre chose aussi, Twitter bien évidemment qu'on vous partage en description sur YouTube et sur les réseaux, allez sur leur page Instagram. Moi de mon côté, Edem, j'ai quelques contacts ici en handisport sur les collectifs et sur les fédérations. Si ça peut vous aider, je pourrais te mettre en relation avec certaines personnes, voir comment rendre ce projet encore plus professionnel, Inch'Allah. Voilà, Edem, une autre chose, dernière chose, s'il y a un événement ou quoi que ce soit, n'hésite pas à nous le partager, que nous aussi, au repartage, on le fera avec beaucoup de fierté et beaucoup de plaisir. Ok, merci beaucoup à vous. Et il s'agit que Walid Saïdine nous contacte. Avec grand plaisir, on l'espère en tout cas, on espère bien sûr que la fédération vous contactera. D'ailleurs, il y avait une information qui est sortie, là, je crois que c'était ce week-end, la fédération par rapport au JO qui essaye de passer un peu la deuxième pour avoir une fédération handisport compétente et qui reprenne beaucoup plus de professionnels handisport. Donc, t'es arrivé dans la bonne vague. Normalement, c'est ce qu'ils recherchent. Donc, théoriquement, ça pourrait voir le jour. En tout cas, on va essayer, nous, de notre côté, de pousser aussi ce projet. Et à vous aussi, les auditeurs, n'oubliez pas que vous avez tous un rôle à jouer. Et même aussi minime qu'il soit, voilà. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker tout ce que partage Edem et le Foot Fauteuil des Z. Edem, barakallahu fik, merci beaucoup pour ta venue. Merci, mes frères. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un honneur. Et voilà, Inch'Allah, qu'on réussisse le projet.
Inch'Allah, Inch'Allah. On va suivre ça de près, en tout cas, Edem. Voilà, comment on te laisse aller te reposer parce que je sais que demain, tu as une très grosse journée. Oui, c'est ça. Ok, voilà. Merci beaucoup. C'est un honneur partagé, Edem. Et Inch'Allah, à la prochaine. À la prochaine, salam. Salam alaikum. Et on passe aussi un grand salam à Yassine, hein, malheureusement, qui n'a pas pu rester avec nous à cause des problèmes. Allez, salam alaikum, Edem. Salam. Salam. Un beau projet, les gars, je vous le répète. Hein, je vous le répète, c'est une très, très grosse bataille, ce genre de choses. On sait très bien que déjà, pour le sport, normal, c'est déjà très dur avec la fédération, avec les championnats locaux, avec plein de choses avec, en Algérie. Mais alors, imaginez pour les gens qui sont issus du monde handicapé et de l'handisport, ça l'est encore plus. Donc voilà, n'hésitez pas, des petits gestes, ça peut faire beaucoup au final. Donc voilà, n'hésitez vraiment, vraiment, vraiment pas. Ça nous remet à notre place. Des gens aussi courageux. Mashallah. Barakallahu fik, coach, pour ces mots. Et vraiment, vraiment, c'est un honneur d'avoir Edem et Yassine. Malheureusement, on n'a pas pu avoir un peu plus de ces mots. Yanni, on va commencer tout de suite, les gars, avec le team des Z. Et on sait très bien, on n'a pas beaucoup de temps. On va essayer d'être rapide et efficace, les frères. Bismillah. Bismillah. C'est parti. Bismillah. Pour le team des Z. Le team des Z, les gars, avec ce Fennec du mois, le Fennec du mois de mars, c'est un nouveau titre honorifique qui a été lancé par la Gazette du Fennec. Et voilà, et mes sources me disent qu'il y a même quelqu'un précisément qu'on a parmi nous qui a lancé le titre. Yanni, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, je n'ai pas lancé le titre, mais je l'ai repris, Bilal. Donc, je pense qu'il existait déjà. Il existait déjà, mais ouais, du coup, on l'avait un peu perdu. C'était à l'initiative. Oui, c'est ça. C'était Yusuf, je crois, qui était à l'initiative. C'était un autre. Yusuf, je crois. Ouais. Et du coup, ça a été abandonné pendant longtemps. Donc, avec toute la rédaction, Fatah y compris, et tout le monde, on a décidé de relancer le projet. Le Fennec du mois, c'est quoi? C'est un titre qui récompense le meilleur Fennec des championnats européens et même maintenant, on regarde ailleurs aussi, hein, puisqu'il y a Riyad Mahrez aussi en Asie et bien d'autres joueurs. Donc, ce Fennec du mois, on va, chaque mois, on va désigner un joueur qui sera récompensé. C'est des votes qui seront exclusivement par le public. Excuse-moi, Yanné, on va désigner trois joueurs qui seront eux élus. Voilà. Exactement. Pas un, mais trois joueurs. Trois joueurs. Et ce sera au public de faire le vote. Donc, c'est au public de choisir son Fennec du mois. Par contre, à la fin de l'année, il y aura un seul. Ce sera le Fennec de l'année. Voilà. Pour celui-là, la rédaction sera là pour voter, mais aussi le public, on ne vous oublie pas aussi. Donc, pour le Fennec de l'année, il sera décerné aux joueurs. On ira le récompenser par nous-mêmes. La Gazette du Fennec se déplacera pour ça, Inch'Allah. Donc, voilà, c'est pour ça que je pense que le ballon d'or algérien, il a été abandonné aussi. Donc, toute l'équipe de la Gazette du Fennec, on s'est dit, bon, on va quand même relancer un titre algérien pour récompenser nos joueurs aussi. Yanni, justement, pour ce mois-ci, on va revenir sur ce mois, il y a trois joueurs qui ont été sélectionnés, qui ont fait beaucoup parler ce mois-ci dans la sphère algérienne, dans la sphère des Fennec, Yassine Benzia, Hadji Moussa et Ryan Ait Nouri. La question, c'est qui sera élu? Et les gars, n'oubliez pas, comment on fait pour élire le Fennec du mois? C'est déjà fait, Bilal. Je sais que t'as pas réussi à gérer cet après-midi, c'est pas grave. Donc, ça a été annoncé cet après-midi à 17h. Ah, ok. C'est Ryan Ait Nouri qui a remporté le Fennec du mois avec 64% des votants. Et les autres devant Yassine Benzia, 32%. Il est deuxième, Yassine Benzia. Et Anis Hajmoussa qui est troisième avec 4%.
Il y a eu 9000 personnes qui ont quand même participé à ce vote. On les remercie tous, c'est vraiment énorme. Pratiquement 10 000, hein. Pas 9 000, pratiquement 10 000. Ah ouais, ouais, c'est 9600 et quelques. Ouais, c'est vrai, c'est 9600 et quelques. Donc c'est presque 10 000 personnes, on les remercie tous. Et Inch'Allah que le projet va aboutir, Inch'Allah. Voilà. D'accord, ok, parfait. Bah, ça veut dire que là, vraiment, Ryan Ait Nouri l'a remporté très, très haut la main. Ah oui, oui, très, très, très haut la main. 64%, c'est énorme, je pense. Face aux autres, donc moi je pense que c'est mérité. On verra pour le prochain mois qui sera là. Ouais, Sofiane, je voudrais juste rajouter un petit truc. Voilà, donc c'est fait sur les réseaux sociaux de la Gazette de Fennec. Voilà, vous pouvez retrouver tous les votes et la façon dont voter et partager. Comme ça, plus il y a de votants, plus les joueurs désignés auront une importance. Et le vote, et tout vote, bien sûr, compte. Donc, on compte sur vous, sur tout le réseau de la Gazette de Fennec. Surtout qu'on veut donner à ce prix, on veut donner une image à l'Algérie avec ce prix. Donc, on compte tout sur vous pour y participer. Voilà, c'est important, c'est vraiment très important. Surtout pour nos joueurs aussi. Comme tu le dis, hein, Yanni, hein, c'est vrai qu'on voit les titres, quand ils prennent de la valeur auprès du public. Exactement. Tout de suite, ça donne beaucoup plus de valeur aussi à la nation. Et oui, bien sûr. On en est encore loin, mais quand on voit par exemple un ballon d'or ou même une Ligue des Champions, un ballon d'or africain ou tout ce genre de choses, où ça a pu monter, il faut en fait que ça démarre d'une initiative, et c'est une belle initiative, et Inch'Allah, il faut que cette initiative monte au fur et à mesure. Sofiane, quand tu vois un peu la saison d'Ait Nouri et surtout ce mois, avec le rassemblement et tout plein de choses. Comment, toi, tu considères Ait Nouri dans cette saison et où est-ce que tu le vois aller l'année prochaine quand on entend tous les gros clubs qui sont sur lui? Eh ben, j'espère très, très loin, déjà, parce que je pense qu'il a le potentiel pour. Ait Nouri, c'est un joueur que je suis et que le public algérien suit d'une façon générale depuis un petit moment, parce qu'il a commencé quand même très jeune. Jeune et très tôt au plus haut niveau. Le trouver à ce niveau-là aujourd'hui, c'est pas quelque chose forcément d'étonnant. Maintenant, il a besoin de confiance. On voit avec le nouveau coach qui est arrivé, donc il le sort quelque part du placard. Il le remet aussi à un autre poste. Ça pose aussi la question du positionnement de Ait Nouri. Est-ce que c'est un véritable latéral? C'est une question qui peut se poser aujourd'hui. Et est-ce que c'est un joueur qui doit être utilisé à ce poste-là, que ce soit en club ou en sélection? En tout cas, voilà, il a une palette assez large à Ait Nouri. C'est un joueur assez moderne, contre-attaquant, qui peut être très intéressant sur un couloir. On a vu qu'il pouvait aussi apporter dans l'axe et même un peu sur un poste un peu plus avancé. Donc oui, c'est vrai que sur cette deuxième partie de saison, parce que c'est là où il commence réellement à s'exprimer, eh bien, je le trouve plus qu'intéressant, et ça va lui ouvrir certainement les portes des grands clubs européens, et c'est amplement mérité, parce que ça a pris un petit peu de temps. Ça a pris un petit peu de temps, notamment sur ce système-là, 3-5-2, c'est un système qui lui convient. J'espère qu'il va continuer sur ce rythme-là. Je sais qu'il a eu une petite blessure, donc je pense que c'est assez léger, c'est pas très grave. On parle d'une absence d'une semaine, mais je le vois en tout cas, j'espère, dès le prochain mercato, aller sur un grand club en Angleterre. Mm-hmm. Et ouais. D'ailleurs, le titre est mérité, le joueur du mois. Vraiment, c'est mérité. Ouais. Merci, Sofiane. Il y a Isla qui nous dit… J'ai une petite affection pour Yacine Benzia, l'ancien Lyonnais, qui a marqué l'histoire du centre de formation de l'OL, notamment en 17, avec un record de plus de 40 buts. Il a battu le record de Karim Benzema. Et c'est vrai que oui, il a une trajectoire un petit peu difficile. Il n'a pas fait la carrière qu'on attendait de lui, ouais. Exactement, vu le talent, oui. Mm. Mais je pense que voilà, il a à peu près 30 ans, il me semble. C'est 29, ouais. Donc c'est pas fini. Je pense qu'il reviendra. Il reviendra certainement dans un bon club européen, j'espère, pour lui, s'il a encore l'envie. En tout cas, il montre beaucoup d'envie. Et j'espère le revoir pour longtemps en équipe nationale. Ouais,
Pour revenir sur, sur le Fennec du mois, sur ce titre, alors déjà, il y a une question sur le championnat national. Alors, il faut savoir une chose, c'est que c'est un tout nouveau titre. On ne peut pas avoir déjà tous les goûts et tous les parfums. Donc là, pour l'instant, il y a un seul joueur qui est honoré chaque mois. Et Inch'Allah, à la fin de l'année, il y en aura un. On est obligé de prendre celui qui brille le plus. Exactement. Donc voilà, donc effectivement, c'est vrai qu'en général, c'est plus ceux qui sont en Europe qui brillent le plus. Ça me paraît un peu logique. Oui. Mais j'imagine qu'avec le temps, Inch'Allah, si ça se développe bien, c'est il y aura des projets pour les pour le championnat local. Voilà, ce sera le projet. Mais laissez le temps, les gars. Doucement, doucement. Doucement, les gars. C'est comme en Afrique. Il y a la CAN pour les autres et puis il y a le CHAN pour les autres. Exactement. Exactement. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a des trophées de prévu pour... Ce serait l'objectif. C'est vrai qu'on demande. C'est vrai, Sofiane, c'est une bonne question. Il y a une question qui t'a été posée. Est-ce que à la fin de l'année, il y aura un trophée qui sera remis aux joueurs? Exactement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Bilal. Il y aura un trophée qui sera remis en main à un joueur, enfin celui qui sera élu à la fin de l'année, inchallah. Donc voilà, il y aura vraiment le trophée du Fennec de l'année, Fennec of the Year, inchallah. Ouais. Et pour les trois joueurs, il y a aussi, on demande plus exactement. De précision. J'ai vu comment... les trois joueurs. Les trois joueurs. Alors, pour les trois joueurs, pour les trois joueurs, c'est la rédaction qui choisit. C'est toute la rédaction. Fatah a fait son choix. D'autres, ben Mohamed et d'autres journalistes. C'est la rédaction qui choisit les joueurs avec un vote. Voilà. C'est ce que je voulais dire aussi, Bilal. Super, merci beaucoup Yadi pour ces précisions. Les gars, on avait plusieurs joueurs à mettre en lumière dans ce Team DZ. Vous savez, on n'a pas beaucoup, beaucoup de temps, donc on ne va pas pouvoir tous les faire déjà. De toute façon, ce n'est pas possible de tous les faire, mais là, on va être encore plus restreint que d'habitude. Donc les gars, je vais vous demander juste une chose. Si vous avez un joueur, autre des trois dont on a déjà parlé, Bendia, Moussa et Aït Nouri, est-ce que vous avez un joueur sur lequel vous aimeriez mettre en lumière pour cette semaine? Peu importe. Coach, Sofiane, Yanni, qui veut commencer? Moi, j'ai hésité sur deux joueurs, entre Ben Rahma et Hajem. Puis je vais choisir Hajem. Parce que par exemple, je pense peut-être que d'autres vont en parler, mais je ne vais pas en parler sur le fait qu'il a bien joué, pas bien joué, parce que, comme je l'ai dit dans la rédaction, il y a les deux qui se détachent, Aït Nouri et Benzia, et puis il y a tout le peloton là, qui sont plus ou moins à peu près pareils dans les mêmes niveaux. Il n'y en a pas un qui se détache un peu plus que l'autre. D'ailleurs, on l'a vu au vote, donc 60, 30 et 4, donc... Et moi, je voulais quand même regarder, mettre une lumière sur Hajem, qui est actuellement en Suisse, et qui joue dans un système en 3-5-2 aussi, et un peu plus à gauche. Un système qu'on réclame depuis longtemps en équipe nationale. Voilà. Et qui a tendance à aller un peu plus dans l'axe. Lui, il a été formé au PRFC, dans la région parisienne, en tant que défenseur central. Et actuellement, c'est pas un secret de polichinelle, l'axe central est un peu déserté. C'est le désert en équipe nationale. Et je me dis, j'ai vu quelques bris de ces matchs, je me suis dit, mais pourquoi pas lui? C'est bouché à gauche donc avec Aït Nouri, mais pourquoi pas lui en défense en centrale ou peut-être dans un système à 3-5-2? Et voilà, je voudrais quand même mettre une lumière sur ça. Dire qu'il y a quand même une possibilité avec un gars qui est jeune, qui commence à être performant, qui commence à faire parler de lui, et pourquoi pas en défense centrale, un gars qui a déjà été formé, qui est déjà formé, qui connaît comment jouer à ce poste-là. Merci à toi, coach. C'est vrai qu'on l'a un peu perdu de vue avec la polémique du Ramadan. C'est vrai que ça fait depuis un an. Hein. Ça fait depuis un an qu'avec Hajem, il y a eu... Mais il avait repris avec Nantes et puis... Il avait repris, mais c'était quand même très léger.
C'était voilà, quand même très léger. Mais il a quand même beaucoup de temps de jeu en Suisse. Là, maintenant, et, oui. Voilà, là, maintenant, voilà. Oui. Et il a marqué même un but. Donc, voilà, il a... Et c'est vrai que... Il a été formé, et je précise, il a été formé en défense centrale. Même s'il a joué à gauche, il a été formé en défense centrale. Malgré ce qu'on peut dire là, actuellement en arrière-plan chez nous. Ouais. Y a Billis qui nous dit que ça fait des émissions en secrète. Alors, il y avait l'émission normalement à 19h-20h30, mais bon, on va pas revenir dessus. Quand tu regardes l'arrière-plan le début de l'émission, on a essayé de passer vite dessus. On s'est juste excusé, on est passé vite dessus. Sofiane, est-ce que tu as un joueur en tête à mettre oui, plutôt un jeune joueur. Moi, j'aimerais tout simplement revenir une petite parenthèse sur le cas de Hajem. C'est vrai que c'est un profil plus qu'intéressant qui a commencé très jeune aussi en Ligue 2 et qui a beaucoup joué sur un système à 3. Donc, moi, j'attends de voir sur une défense à 2 en tant que défenseur central à gauche. Il me semble que c'est un petit peu risqué, notamment au niveau de l'équipe nationale. Sur une défense à 3, oui, il peut totalement faire l'affaire, ou éventuellement en tant que en latéral gauche. Par contre, oui, c'est un jeune joueur avec beaucoup de qualité, et je pense qu'il va beaucoup apporter à l'équipe nationale. Moi, j'aimerais mettre en avant un jeune joueur, c'est Bouanani, qui enchaîne deux matchs en tant que titulaire. C'est un joueur qui a 19 ans, pétri de qualité, qui est pour moi plus ou moins bien utilisé. Donc là, dans ce système à 3 aussi, hein, parce qu'on a pas mal d'équipes en ce moment qui jouent à 3, eh ben, je le trouve plutôt intéressant. Dans ce système plutôt hybride, on le trouve non seulement sur un côté, il a tendance à rentrer à axe et a beaucoup à apporter justement dans l'animation offensive, notamment dans les dernières passes. Il est capable de faire marquer, de marquer. Et c'est un petit qui a une grosse marge de progression. Je pense qu'il va s'imposer dans son club, non seulement dans son club, et l'année prochaine à Nice, dès son retour, on va pouvoir aussi, j'espère, s'imposer si les blessures le laissent tranquille. Et puis en équipe nationale, je pense qu'il va falloir aussi peut-être lui laisser une petite place à Bouanani, parce que je pense réellement qu'il peut apporter un plus à l'équipe nationale. Donc il y a un gros embouteillage à son poste. Ouais. Exactement, il y a de la concurrence. Ça fait plaisir parce que malheureusement, il y avait un moment donné où, avec Riyad Mahrez, on voyait quand même ses performances chuter. Mais la réalité, c'est que Belmadi à l'époque disait quelque chose qui était quand même vrai. Il disait à la place de qui? En gros, il disait, si je sors Mahrez, c'est à la place de qui? Quand il commençait un peu à s'agacer sur ce genre de sujet, c'était en gros ce qu'il essayait de réclamer, et c'était réel. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Rafik Guitane, Haj Moussa, même s'ils sont encore, faut laisser encore, je pense, mûrir. On a Belloumi, et maintenant, on a aussi Ounas, bon, même s'il est très souvent blessé, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de concurrents sur ce côté. Normalement, théoriquement, on devrait avoir un côté droit qui sera beaucoup plus fortifié, en tout cas. Bilal, moi, je suis d'accord avec toi qu'on a pas mal de concurrence, de concurrence de joueurs qui peuvent jouer à ce poste-là. Parce que les joueurs que tu cites, c'est des joueurs qui ont des profils plus ou moins différents. Sur le système hybride qui est en train de se mettre en place en équipe nationale, avec les quatre de devant qui tournent et qui n'ont pas forcément de poste fixe, on sera, et on va vite le voir, on aura des excentrés qui vont venir participer énormément dans l'axe pour libérer, par exemple, les couloirs pour les latéraux. Et on le voit de plus en plus. Et des joueurs comme Haj Moussa, il n'a pas forcément ce profil-là. C'est un profil qui va prendre, qui va bouffer la ligne, qui va rentrer sur son faux pied et qui va enchaîner, comme peut le faire Riyad Mahrez, même si Riyad Mahrez a une palette un peu plus large. Mais des profils comme Rafik ou comme Badreddine, ils ont justement cette possibilité d'évoluer aussi sur ce poste axial et qui offre un peu plus de possibilités pour l'équipe nationale. C'est vrai, Sofiane. Et pour le coup, d'ailleurs, Riyad Mahrez qu'on a un peu oublié, qu'on a un peu aussi égratigné dans nos dernières émissions. Comme je vous l'ai dit, hein, l'objectif, ce n'est pas de faire du pro ou du anti. On essaie juste d'être juste et objectif.
et à Riyad Mahrez actuellement. C'est 11 passes décisives dans le championnat saoudien. Ils sont très proches de gagner le championnat et il y a une grande part de responsabilité. Est-ce que vous pensez très rapidement, une réponse brève, est-ce que vous pensez que Riyad Mahrez pourrait revenir, même sur la pointe des pieds, mais revenir être performant en équipe nationale, titulaire, remplaçant, mais voilà. Est-ce que vous pensez qu'il puisse revenir pour l'instant, personne n'a écarté Bilal, hein. C'est lui qui a choisi de ne pas venir. Donc, ça oui, bien sûr. Là, après, on parle juste sportivement. Yanni, il est resté. Oui. Sur... Non, parce que. Je sais que ça a fait mal au cœur, mais là, on essaye de revenir sur le sportif. Non, mais sportivement, Riyad Mahrez, c'est le meilleur joueur algérien que on a, enfin, des 20 dernières années, 30 dernières années facilement. Donc, je ne veux pas faire de trucs. Je ne veux pas intégrer l'ancienne génération, sinon, on va faire des commentaires ici. Ce n'est pas le but. Donc. Donc ouais, c'est, s'il veut revenir, ben oui, bien sûr, c'est le capitaine, c'est notre meilleur joueur. Alors, on lui souhaite de revenir à Riyad, il n'y a pas de problème avec ça. Il mérite sa place. Mais après, il y aura de la concurrence, quoi. S'il se loupe, ouais. On pourra mettre quelqu'un d'autre. Je te pose la question des auditeurs. Il y en a beaucoup qui le voient plus revenir, mais en tant que 10. Est-ce que peut-être finalement... Oh. Ce ne serait pas le joueur en 10 qui nous manquerait, Riyad? En fait, non. Moi, je suis un peu plus catégorique que Yanni et que peut-être deux et d'autres. Moi, je voudrais complètement qu'on passe à autre chose et qu'on tourne la page de cette génération-là, malgré qu'on garde vraiment ceux qui sont, ceux qui sont compétitifs. Donc, voilà. Donc, Brahimi, que les Benteleb, que les Mahrez, voilà, on arrive avec un nouveau coach, on passe avec de la jeunesse qui est pétillante et on continue, j'espère continuer avec cette jeunesse qui est pétillante. Donc, les Mahrez, avec tout le respect qu'on lui doit, merci. Voilà, et je l'ai dit il y a un an déjà. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, ouais, non, voilà. Mais bien sûr, non, mais de toute façon, sur le passif et l'historique, on n'a jamais. On n'a jamais osé, voilà. Je pense que je n'ai jamais vu un chroniqueur ici présent qui a osé remettre en cause tout ce qu'il a pu apporter, même au football. Non, on ne remet pas en cause ce qu'il a apporté, bien sûr. Mais aujourd'hui, le football moderne est très rapide. Ça, surtout au poste où il est, Sofiane vient juste de parler de Hadj Moussa, qui bouffe la ligne, qui est percutant, qui est par ses dribbles, par ses centres. Ce qu'on ne voit plus chez Mahrez. Que ce soit en 10, en 9, ou en 7, en 1, ou en 25, comme tu veux. Voilà, il a perdu de la vivacité qu'on le connaît. Le coup de rein, l'accélération sur les 4-5 mètres pour mettre la défense hors de portée. Et on le retrouve chez les jeunes qui y arrivent. On le retrouve chez les Bonani, on le retrouve chez les Hadj Moussa, les Kebal qu'on a un peu oublié, mais qui revient bien avec le Paris FC. Voilà, ces mecs-là, il faut les encourager, les mettre actuellement en poste. Si on ne les met pas et on les garde toujours, les Mahrez, les Brahim et tout ce que vous voulez, voilà, on n'y avancera jamais. L'objectif est 2026. N'oubliez pas, c'est dans 2 ans. Si on continue avec des mecs qui ont aujourd'hui 34 ans, qui vont avoir 36 ans en 2026, bah, c'est bon. On n'ira même pas en 2026. C'est le cas. Et d'ailleurs, tu viens de parler d'un joueur, Kebal. Bon, on ne va pas y passer longtemps, mais c'est vrai qu'il avait fait très, très grande sensation au tout début en Ligue 1. Et ensuite, c'était un peu perdu. Et là, il revient doucement avec le Paris FC. Normalement, je dois aller le voir dans 2 semaines ou la semaine prochaine, je ne sais plus. Le Paris FC contre Grenoble. Donc, on attend l'avis du coach. En live, Inch'Allah. Yanni, un dernier joueur très très rapide parce que là, il faut qu'on passe. Moi, je voudrais bien qu'on parle de Saïd Ben Rahma qui revient doucement mais sûrement. Il a réalisé un super match face à Nantes. Son équipe est revenue au score grâce notamment à sa superbe performance. 5 dribbles réussis, 6 occasions créées. Il a été aussi élu dans l'équipe de la semaine par le site spécialisé SofaScore avec 8,6 sur 10
Donc, je pense que Saïd Ben Rahma est en train de retrouver son niveau et ça fait plaisir. Merci à toi, Yanni. C'est vrai que Ben Rahma, bah, finalement, on était très soucieux de son départ de West Ham quand il y avait déjà juste les rumeurs lyonnaises qui arrivaient pour taper aux portes. Et au final, ça a l'air d'être quelque chose de très positif pour lui. On peut en témoigner juste avec le dernier geste qu'il avait fait, je crois que c'était quoi, c'était Coupe de France, quand il fait un sombrero. Un sombrero un peu à la Neymar. Impressionnante. Mais ça, c'est des petits gestes. Alors oui, festif, on peut dire que c'est pour le spectacle, mais ça prouve quelque chose. Sofiane, toi qui es coach, je pense que tu pourras confirmer ça. Un joueur qui fait ça à un moment comme ça, c'est un joueur qui a confiance. C'est un joueur qui est à l'aise avec son environnement et c'est quelqu'un qui est à l'aise dans ses baskets, tout simplement. Il est en train de renaître à Lyon. Il est en plein confiance. Et puis, oui, il est capable, on le sait, hein, des gestes extraordinaires. C'est un très bon joueur. Et puis, il se plaît à Lyon. Il est là pour une période assez courte, en tout cas. Il aide énormément cette équipe-là dans l'objectif du maintien, parce qu'il faut savoir que Lyon était en difficulté il y a quelques temps. C'était un pari assez risqué pour Ben Rahma aussi, parce qu'il signe à Lyon, il signe dans un club dernier ou avant-dernier. Ça prouve qu'il était dans une situation quand même assez délicate dans son club. Et là, ça, c'est une grosse bouffée d'air, donc il est en pleine confiance et c'est très bien. Merci à toi, Sofiane. Les gars, on va pouvoir passer à la suite. On a fait le tour de l'actualité des Fenech en rapide. On va aller sur le continent africain avec le foot africain, les gars. Ce foot africain, on va pouvoir faire le tour des compétitions continentales. En Afrique, la Ligue des champions africaine a repris ses droits ce week-end pour les matchs retour. On en avait parlé la semaine dernière, coach, avec un seul but qui avait été inscrit. Et encore les matchs retour avec aussi Ben Cheikha, c'est le type PSG qui devait faire un résultat au retour. Comment ça s'est passé? Oh là! Et comme j'ai dit la semaine dernière, donc déjà la semaine dernière on n'avait qu'un seul but. Cette fois-ci on en a eu, cinq, donc cinq fois plus, c'est déjà pas mal. Pour les j'en avais parlé de l'AS Tunis qui avait fait 0-0 chez eux et contre l'AS Abidjan. L'équipe de Touga, j'avais dit qu'ils allaient faire le travail à Abidjan. Donc, ils l'ont mal fait, mais ils l'ont quand même fait en se qualifiant au tir au but 4 pénalités à 2. Donc, après un score de parité aussi pareil de 0-0, Touga a marqué le dernier pénalty qui qualifie le Taraj Jitounsi. Et donc, voilà, ils vont en demi-finale. Touga est dans son rôle de défenseur central. A tenu la baraque. Niveau africain, il n'y a rien à dire de Tougaï. Et il fait le boulot. Il se sent à l'aise à Tunis. Le deuxième match, donc, c'est celui-là de Ben Cheikha, qui ont perdu chez eux 1-0 contre l'ogre africain, le Ahli. Mm-hmm. Ils avaient perdu chez eux. Et je ne voyais pas comment ils pourraient remonter le score de 1-0. Mes pronostics sont avérés vrais puisque le Ahli a confirmé sa victoire en gagnant chez eux 2-0. Donc le Ahli est qualifié pour les demi-finales. Là où je m'étais trompé, donc je pensais que dans le match Petro Luanda contre le TP Mazembe, donc je pensais après le 0-0 ramené du Congo par les Angolais de Luanda, je pensais qu'ils allaient faire le nécessaire et se qualifier chez eux. Finalement, c'est le TP Mazembe, qui a aussi un mastodonte du football africain, qui a réussi à arracher la victoire 2-1 chez les Angolais et donc se qualifier aussi pour les demi-finales. Le dernier quart de finale s'est joué entre Sundown et les Youngs Africa.
Voilà. C'est mieux en arabe, coach. Hein. Sundown et Lyon d'Africa. Et donc, et le Sundown a gagné 3 pénalties à 2. Donc, ce qui nous donne pour les demi-finales, Tunis contre Sundown et le TP Mazembe contre l'Ahli. Donc, le match aller se joueront le 19 avril et le match retour le 26 avril. Donc, ça, voilà. Donc, normalement, on devrait avoir une finale, j'allais dire, classique en Afrique. Tunis, donc Tarji Tounsi, l'Ouest Tunis contre le Ahli du Caire, le Ahli égyptien. Donc, merci, merci à toi, coach. Ben, on voit, hein, y a les quatre gros mastodontes habituels qui sont présents. Voilà. Donc, comme chaque année, donc pas d'Algérien en demi-finale, pas d'Algérien en finale. On a eu l'année dernière la JSK qui s'était frayé un chemin jusqu'en quart de finale. Bon, on va en parler à la fin de la rubrique. Pour dans le Médine Algérien de la JSK. Je pense que cette année, on aurait pu faire au moins un quart de finale. Mais bon, comme on l'a dit la semaine dernière, on n'a pas été au niveau, le CRB n'a pas été au niveau, en tout cas, normalement, il aurait dû se qualifier au quart de finale. Mm-hmm. Pour moi, encore une fois, je leur dis, c'est une faute professionnelle de ne pas y être. On avait déjà parlé, c'était quand même assez fou, ce résultat. Je vais essayer juste de retrouver très très rapidement. Oui, c'était Lounes Dan qui nous dit, ils sont troisième du championnat, bien loin de le remporter. Je pense qu'il parle du championnat saoudien. Quand je parlais du club Riyad Mahrez, j'ai dit qu'il allait remporter, j'ai confondu El Hilal et El Ahly. Donc, c'est pour ça que à chaque fois dans ma tête, il jouait Hilal. Et du coup, c'est une erreur de ma part. Tu as bien raison, ils sont troisième du championnat. Concernant la Coupe de la CAF, là où ça nous intéresse. On continue avec la Coupe des Confédérations. Ça nous intéresse un peu plus. On va laisser pour la fin pour un peu développer. Donc, on a Dream FC qui s'est fait éliminer par le Stade Malien. Donc, après la victoire à Bamako 2-1, les Maliens ont été chercher le nul un partout, donc ils se qualifient. Le Zamalek, donc un autre mastodon africain qui, après une victoire à l'extérieur chez Modern Future Football, là, il a fait match nul chez eux. Donc, se qualifie aussi pour la demi-finale. La grosse polémique de la soirée d'hier, c'est les Marocains de Berkane, donc le club. Une grosse polémique, ça. Voilà, donc qui ont gagné 3-2 contre les Libyens de Abu Salem. Après le match nul 0-0 en Libye, donc les Libyens ont marqué un but et les Marocains ont égalisé. Les Marocains ont rajouté un deuxième but, les Libyens ont égalisé et il a fallu un temps additionnel mastodon aussi de 15-20 minutes, voire plus, pour que les Marocains marquent le troisième but avec des Algérie-Qatar, Coupe arabe là. Ouais, il y a encore, c'est rien ça, parce que là, il y a vraiment. Conditionnellement, mec. Pour vous dire un peu un truc qui s'est passé, il y a eu un entre-deux qui s'est joué et les Libyens récupèrent la balle, l'arbitre arrête le jeu, refait jouer le 1-2 pour redonner la balle aux Marocains. Pourquoi ? On va pas dire que l'argent est derrière tout ça. Moi, je dirais oui. Pourquoi ? Parce qu'il a dirigé le club et il est de la ville. Donc, moi, je dirais oui. Ouais, c'est pas ta suspicion. L'arbitre est honnête et l'Égyptien, donc il est honnête. Donc, voilà. On va laisser, on va dire, Allahu alam et puis... Allahu alam. Voilà.
J'espère qu'ils ne vont pas nous faire un coup avec l'année dernière. Comme dans le spectacle des inconnus, coach. Mais ceux-là ne nous regardent pas. Voilà. Comme là, par contre, ça va nous regarder un peu plus, puisque comme l'année dernière, Barken va affronter l'USMA. L'Etihad Al-Asima qui a bien gagné, qui a bien géré son match et a gagné 2-0 contre le Reverse United, les Nigérians du Reverse United après la défaite 1-0 la semaine dernière. Donc là ils ont rectifié j'allais dire rapidement, donc en fin de mi-temps le score, ils ont nivelé le score, et puis en milieu de match, et ils ont aggravé le score, toujours pas le même joueur Kanou qui a marqué donc un doublé hier soir. Que dire de ce match? Je pense que beaucoup l'ont vu. J'ai l'impression que l'USMA était un peu émoussé, peut-être Ramdan, j'en sais rien, mais physiquement ils étaient un peu à la peine. Les Nigérians étaient un peu plus vifs, mais non, voilà, ils ont joué par contre-attaque. On a eu une grosse frayeur à un moment sur une tête qui s'est écrasée sur la barre transversale. Si elle serait rentrée, le match aurait été autrement. Donc, l'USMA qui a commencé à bien jouer vraiment après le deuxième but, j'ai l'impression que là, ils ont commencé à respirer et à prendre de la confiance et donc à tenir un peu plus le match qui aurait pu se terminer à 3-0 aussi. Surtout donc, le nombre d'occasions ratées, ils ont quand même raté pas mal d'occasions. Et la première occasion de la première minute qu'il les met quand même dedans. C'est le poteau, tu parles ? La première occasion sur la première minute, donc il y a le centre et c'est Bouzaza, je crois, qui est le 14. Benzaza, ouais. Voilà. Qui rate le face-à-face à la première minute. J'ai raté, je ne sais même pas. J'étais là. Enfin, je ne me rappelle pas de la. Il rate cette occasion-là. Et ouais, donc ça fait basculer un petit peu le match. Le SMA recule un petit peu. Mais c'est vrai que oui, une équipe assez émoussée. Ouais. Voilà, donc. Ils ont vraiment retrouvé de la confiance, on va dire, dans le dernier quart d'heure, 20 dernières minutes après le 2-0. Voilà, j'ai senti. Beaucoup plus en confiance, peut-être aussi les changements. Benzaza, qui est un pilier de cette équipe-là, n'était pas dans les beaux jours. Voilà, d'autres joueurs, moi, je n'ai pas trop aimé. Par contre, la petite pépite qui a mis à l'ilette, qui est le défenseur central, Bonasser, qui a mis un autre très bon défenseur, que je trouve un très bon défenseur à l'ilette, qui l'a mis sur le banc. Bonasser, 19 ans, 20 ans en fin d'année. J'ai l'impression qu'il a 10 ans d'expérience, qu'il a joué libre, très technique, avec à ses côtés son capitaine Belaïd. Donc cette paire-là de défense, pour moi, voilà, donc il faut vraiment bien regarder de ce côté-là. Et Bonasser, il est zioté par des formations européennes, donc Caen et surtout le CSKA Moscou. Merci à toi, coach, pour... Juste pour les demi-finales. Donc, les demi-finales, USMA Berkane, match aller, USMA Berkane et Zamalek Gym FC. Donc, le match aller le 21 avril et match retour le 28 avril. Donc, l'USMA qui se déplacera au Maroc à Berkane le 28 avril. Merci à toi, coach, pour ces précisions sur les coupes continentales. Comme l'année dernière, on voit le... C'est ce que je viens de dire. L'année dernière, on jouera le retour à Berkane. Tu m'écoutes ? L'année dernière, ouais. Ouais, parce que j'ai bugué en fait. Yanni était dans ses pensées, lui aussi regardait la lune. Yanni, je peux. Moi j'ai bugué. Ça y est. On se comprend. Les gars, on va pouvoir passer directement au Khedra Time. On va regarder ce qui se passe autour de la sélection. Cette sélection algérienne dont on a fait l'actualité le mois dernier avec le rassemblement des pros, enfin des seniors,
Et là, il y a le tournoi UNAF U17 qui va commencer et les joueurs algériens U17 connaissent déjà leurs adversaires. Ils vont rencontrer entre le 18 avril alors je crois le dernier match c'est le 26, excusez-moi. Le 18, donc ce sera le Maroc, ensuite il y aura la Tunisie la Libye et l'Égypte. Donc actuellement, il y a déjà des présélections à Sidi Moussa qui sont en train de faire. Il faut savoir que voilà, Rayman a été écarté de la sélection U17 et maintenant le nouveau sélectionneur c'est Aziz Lahoussine. Pour ce tournoi UNAF, on sait que c'était il y a deux ans ils avaient fait de très mauvais résultats et du coup ils étaient passés à côté de la qualification pour la Coupe du Monde qui se jouait en Indonésie. Là, il y a encore beaucoup à gagner. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore avoir de l'espoir avec les équipes jeunes algériennes? On sait très bien que les seniors sont... je vois Sofiane qui dit non de la tête. On sait, on le répète souvent. Les seniors sont un cas à part dans la gestion des équipes nationales algériennes. Les équipes jeunes, c'est très, très compliqué. Sofiane, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Tu le mets dans l'embarras là. non mais c'est très compliqué, c'est très compliqué et puis on le voit. Alors il y a un effort qui est fait, ça c'est sûr et certain, on le voit, il est considérable et il est grand, mais pas encore suffisant pour justement, si ce n'est que apparaître au niveau continental. Et si ce n'est qu'au niveau, j'ai envie de vous dire, au niveau maghrébin, par rapport à nos voisins, que ce soit tunisiens ou marocains, on est loin encore de ce qui se fait au Maroc, par exemple, où il y a une vraie politique justement jeune, où il y a une vraie détection au niveau des clubs européens, où il y a une vraie formation qui est proposée au niveau local, et puis un vrai suivi justement des différentes catégories de jeunes. Aujourd'hui, on a un problème à tous les niveaux. Donc, fut un temps, il y avait un problème d'infrastructure. Donc là, les choses se règlent un petit peu. Là, aujourd'hui, je pense qu'on a aussi un souci, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, d'encadrement. On entend beaucoup de choses liées à l'encadrement de ces jeunes-là. Si ce n'est que récemment, le coach U20 qui gifle un joueur, son joueur, parce qu'il s'est chamaillé. Je veux dire, à un moment donné, ça commence par là aussi. Ça commence par notre encadrement, notre posture, les éducateurs, les entraîneurs, les formateurs. On ne peut pas attendre des joueurs des choses, de performer, si l'encadrement n'est pas forcément performant. Donc le problème, il est là réellement. Ça va prendre certainement un petit peu de temps. Et puis peut-être la solution, l'alternative, c'est de faire appel à des joueurs qui viennent des différentes formations européennes. Oui, ça peut marcher, ça se fait de plus en plus. Tournoi, oui, c'est des joueurs, ça peut être une alternative. Mais dans ce cas-là, il va falloir aussi avoir une vraie politique justement de recrutement au niveau de l'Europe. La cellule qui a été mise en place par Khaled Denzeti fut un temps. Il faut peut-être la revoir, il faut la renforcer et il faut justement que ça dure dans le temps. J'ai l'impression que c'est fait d'une façon un petit peu... on va chercher des joueurs à gauche, à droite. Sur cette sélection, par exemple, 17, on n'a pas forcément de liste de joueurs évoluant en Europe, par exemple, pour les différents rassemblements. On n'a que des locaux. Et la formation au niveau local reste quand même à désirer. On l'a déjà vu, Constantine. Oui, vas-y, Sofiane. Oui. Continue. Ouais, je regardais le match ce week-end Paradou-Constantine, où on a une équipe du Paradou constituée de jeunes joueurs, le vrai vivier, entre guillemets, un gros vivier, en tout cas du foot algérien. Bon, on se rend compte qu'on est encore loin du compte, si ce n'est que tactiquement, et je parle même pas sur l'aspect physique, on a des bons jeunes. Voilà, entre 12 sur de la préfo en Algérie, on a des super bons jeunes parce que intrinsèquement parlant, on a un vrai vivier. Mais au-delà de 15 ans, où il faut une vraie formation, un vrai suivi au niveau physique, au niveau pédagogique, eh ben, il n'y a plus personne. Et puis on a des joueurs qui sont plus ou moins en chute libre. Et,
et c'est assez inquiétant. Je parle par exemple de Titraoui qui était quand même assez intéressant il y a quelques années, qui n'arrive pas forcément à passer le cap. On peut parler de Bolbina, on peut parler de tous ces joueurs-là. Donc il y a peut-être, c'est lié à beaucoup de facteurs, en tout cas, ces sélections de jeunes. Ouais. Pour conclure sur ce tournoi UNAF U17, est-ce que malgré tout, on peut attendre des résultats ou se dire que tant que le travail de fond n'est pas encore pertinent, en tout cas assez pertinent et assez, il n'y a pas encore assez de compétences, puisque pour l'instant, faut regarder ça juste de loin et on regarde juste les résultats et sans plus. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à en tirer de ces équipes jeunes algériennes? Yanni, coach? Sans formation. Vas-y, Yanni. Coach, ouais, j'ai dit sans formation, Bilal, on ne peut rien attendre. Hein. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de suivi derrière. Comme a dit Sofiane, il y a eu le task force, on ne sait pas ce qui s'est passé. Un truc qui a été créé pour rien faire, au final, ça n'a pas servi à grand-chose. Ça n'a pas attiré les joueurs qu'on voulait. Donc, moi, je pense que sans formation, on ne peut pas s'attendre à ce gros résultat. Maintenant, s'il y a une surprise, ça dépendra de l'envie des joueurs. Mais de là à se dire qu'on va réussir ou faire un tournoi exceptionnel, moi, je ne suis pas vraiment, vraiment optimiste, quoi. Il y a une chose, moi, qui m'impressionne beaucoup et un peu négativement, c'est que quand on voit, et c'est pas, attention, hein, c'est pas comparer pour se mettre plus faible que les autres, c'est juste être lucide. Quand on voit des nations qui réussissent et qui ont cette force, des équipes jeunes en Europe ou en Afrique, comme tu l'as dit, Sofiane, même chez nos voisins, il y a quand même beaucoup de communiqués, beaucoup d'informations sur les nouveaux coachs qui arrivent, déjà premièrement, leur CV, etc. Et aussi, une deuxième chose, c'est quels sont leurs projets à court, moyen, long terme, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont communiquées, on a des informations, on voit comment les projets avancent, etc. En Algérie, ce n'est pas du tout le cas. On ramène des entraîneurs sans expliquer pourquoi c'est un bon choix et qu'est-ce qu'on attend de lui, etc. Il y a aussi, après, la suite du projet. On ne sait pas où ça va, quelles sont les prochaines échéances. À chaque fois, on apprend les dates dans le mois, à quelques jours même, comme là. C'est là où il commence à avoir des articles, des informations. Et la fédération qui fait un petit communiqué, c'est très, très... Justement, Bilal, on en parlait avec le coach. On en parlait avec le coach tout à l'heure. Vite fait, rapidement, on a dit qu'il cherchait les noms des joueurs qui avaient joué. Ouais, sélectionné. Il y a ni les joueurs qui ont joué le match. Il y avait trois équipes à ce qui paraît contre l'USMA. Donc, on n'avait pas les trois joueurs qu'on voulait. Enfin, pardon, les trois équipes qu'on voulait. Il n'y avait rien du tout, aucune information. Donc, c'est vraiment bizarre. La fédération qui ne confie pas les combos alignés. Je sais pas. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure. Coach, pour conclure. Ces joueurs-là ont joué deux matchs contre les U20 du CRB les U20 de l'USMA. Je crois qu'ils ont gagné un match contre le CRB, ils ont perdu contre l'USMA ou inversement. Enfin, c'est le contraire. Voilà. Moi, je cherchais qui a joué pour savoir un peu d'où ils viennent, qui a fait quoi, quel poste, les objectifs de ce regroupement. Mais j'ai rien trouvé aussi bien chez la fédération que dans la presse. Et ce que disait Sofiane tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Quel objectif donne-t-on à ces coachs-là? Est-ce que c'est un objectif d'un résultat, allez, pour dire ouais, on a battu le Maroc, on a battu la Tunisie ou ce que vous voulez? Ouais, ça veut rien dire. L'objectif, c'est la formation. Les U17, c'est des joueurs qui ont 14, 15, 16 ans. Sûrement 15, 16 ans. Mais à 15, 16 ans, c'est plus de la formation. À 15, 16 ans, t'as des joueurs déjà qui ont intégré les équipes seniors. Chez nous, on ne les intègre pas, ces joueurs-là. Rarement, il y a des joueurs qui jouent en U20 du MCA. Le MCA qui est pratiquement champion d'Algérie, qui intègre très peu des joueurs qui, mais en plus
du vin qui sont techniquement, mais au-dessus de certains seniors. Mais largement au-dessus. Mais tactiquement, physiquement, bah, ils ne travaillent pas. Donc forcément, ils ont déjà un déficit par rapport aux autres. Et moi, je rajouterais juste une chose pour conclure. Sofiane disait tout à l'heure, et Yannick avec la Task Force, moi, je suis contre de ramener des joueurs de 14, 15, 16 ans d'autres pays, d'Européens, ce que tu veux, pour intégrer ces sélections-là. Des encadrants, oui. Ouais. Mais des joueurs qui viennent d'autres contrées, moi, je préfère qu'on réserve quand même ces places-là. Ça, c'était un débat, hein. Ça, c'était un débat qu'on avait déjà eu ouais, bien sûr, ouais. Voilà. depuis longtemps même. Depuis longtemps. Donc, coach, est-ce que c'est si juste pour finir. Et, un argument. Un argument pour pourquoi, le, en fait. Pourquoi moi, c'est, voilà. C'est pour donner un peu plus de chance et de place à des joueurs qui sont locaux et continuer à former ces joueurs-là avec des encadrants titrés, des encadrants formés, des encadrants venus d'ailleurs ou non, mais bon, mais en général, qui viennent d'ailleurs, sur des terrains que nous, que eux ils connaissent, dans une atmosphère que eux ils connaissent, et dans un championnat où ils vont intégrer les équipes seniors que eux ils connaissent. Les joueurs qui viennent de l'extérieur, des U20, U21, U23, du 23, pourquoi pas, mais U17, wow. U20, U19, moi je trouve que c'est précipité. Et l'argument qui revient très souvent, coach, c'est vrai, c'était dans ces eaux-là, c'était à peu près ces choses-là. En fait, Sofiane, c'est vrai qu'il y a un argument qui revient très souvent, c'est de dire peut-être que la meilleure des choses, étant donné qu'on a un gros problème de formation au niveau local et que les joueurs binationaux ont une très bonne formation en jeunes dans les autres pays, peut-être que ce serait peut-être préférable sur le long terme de les laisser profiter d'abord eux des matchs internationaux et de toute cette expérience pour que ça leur donne plus une palette d'expériences beaucoup plus grande que ceux en Europe ont et pas eux. Et en fait, c'est pas l'objectif, c'est pas de retirer le maillot aux binationaux, mais c'est juste de essayer de rééquilibrer un peu en disant bah vu que eux manquent cruellement de pas mal de choses, pourquoi pas leur laisser un petit peu ce côté-là qui va pas, je vais pas dire pas apporter grand-chose aux binationaux, mais en tout cas, ça leur apportera beaucoup plus. Il y a un point qu'il a soulevé dans le chat, Soccer DZ, qui est aussi, je trouve que c'est important. Il a tout à fait raison. En général, tu ramènes pas les meilleurs dans cette catégorie-là. Comme il dit, les seconds couteaux, avec tout le respect qu'on a pour les joueurs qui viennent. D'accord. Voilà, c'est les meilleurs restent dans les sélections. Sofiane, je te laisse une dernière tirade pour y répondre. Ensuite, on passe à la suite. Vas-y, Sofiane. Non, mais parce que c'est un débat passionnant, ça va nous ramener loin. Je comprends les arguments avancés, je comprends ce que vous voulez dire, mais je ne suis pas forcément d'accord. Parce que, coach, comme tu disais, à partir de 17 ans, on est un jeune adulte, on est carrément presque dans la cour des grands. Et puis là, on représente quand même l'Algérie, on représente un pays. Et donc, pour le pays, il faut ramener les meilleurs. Est-ce qu'on a les meilleurs chez nous? Je ne pense pas. Est-ce qu'il faut pas il faut les laisser de côté? Je ne pense pas non plus. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Et puis quelqu'un, je comprends hein, l'argument de Bilal qui dit bah, effectivement, il faut donner la chance peut-être aux locaux pour qu'ils puissent s'exprimer au niveau international. Mais ça serait bien aussi de les entourer par des personnes qui ont une formation qui a une certaine, à un certain niveau, qui de certaines qualités, pour leur permettre, pour les tirer vers le haut. Et c'est pour leur permettre peut-être, pourquoi pas, de performer. Sachant d'où que les encadrants. D'où les encadrants. Non, mais ouais, en fait, il y a les encadrants, mais c'est vrai que même en termes de joueurs, c'est un autre argument. Joueurs, c'est super important. C'est pour ça que ce serait un débat qui serait très, très long. Parce que c'est un débat très, très passionnant, ouais, effectivement. Parce que c'est vrai que ça aussi, c'est un argument qui peut être fort. Avoir des joueurs performants ou en tout cas beaucoup mieux formés, ça permet d'avoir des points de référence et des points d'appui pour les locaux pour voir un peu à quoi ça doit ressembler un résultat. Je ne vais pas dire final, mais en tout cas vers quoi ça doit pousser. Et c'est un argument qui est très fort. Parce que sinon, sur ce sujet, on va rester 8 heures. Je voulais juste dire que ça permettrait de travailler régulièrement avec les mêmes.
Voilà. Ouais. Et là où je suis d'accord avec le coach, effectivement, le recrutement qui est fait au niveau européen, il est limite catastrophique, pour ne pas utiliser d'autres mots. Et c'est, mmh. c'est, on est quand même sur, sur une approche qui reste quand même à... Voilà, quoi. Bon. Ouais. Déjà, il faut construire une équipe et avoir... avoir une certaine valeur, on va dire, l'équipe elle doit avoir une certaine valeur pour attirer des joueurs. Si là on a rien du tout, déjà qu'on commence à mettre les compositions, après on verra. C'est ça, c'est ça. Il faut qu'il y ait un suivi après l'objectif, parce que c'est vrai que s'il n'y a que la fédération, si que les équipes nationaux jeunes qui travaillent, la réalité c'est que il n'y a pas de suivi après derrière, ni en club, ni dans les infrastructures, ni dans plein d'autres domaines. Donc, c'est très, très compliqué. Et puis, Bilal, peut-être une dernière chose sur un argument du coach qui disait qu'il faut qu'ils restent ensemble. Pour moi, une sélection ne doit pas rester forcément ensemble. C'est une sélection, c'est l'ensemble des meilleurs joueurs du moment. C'est extrêmement important. On n'est pas forcément sur une académie, mais une sélection nationale avec les meilleurs éléments des différents clubs. C'est-à-dire que la formation ne doit pas se faire au niveau de la fédération, mais bien au niveau des clubs. Et la fédération oui. vient piocher les meilleurs du moment pour représenter le pays. C'est extrêmement mais, important. On est tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi et Sofiane sur ce point-là. Mais en général, tu as une génération qui monte. Et cette génération-là, en général, tu as quelques joueurs près. Tu le retrouves au fur et à mesure en U19, en U20, U23, en senior. Et plus ils jouent ensemble, en club ou en sélection, et plus le bénéfice est grand. Mmh. Les frères, on va passer. On y reviendra hein, sur le sujet de la formation. De toute façon, on y revient très souvent. Hein. On y revient très souvent sur la formation jeune. Mais ce serait bien de temps en temps de faire des émissions beaucoup plus longues sur un sujet précis. Parce qu'il y a à dire. Et on finit les débats frustrés. J'aimerais bien dire ça aussi. Les gars, on va pouvoir continuer avec, toujours dans le Khadra Time, avec Ouganda-Algérie, très incertain. Un article de Mohamed Touileb qui nous explique que apparemment le match qui se jouera au stade Nelson Mandela et à Kampala, hein, et pas le Nelson Mandela chez nous, n'est pas encore aux normes. Il n'est pas encore aux normes et la CAF ne l'a pas encore validé exactement. Donc pour l'instant, là, le match, c'est assez compliqué. Ils font tout, ils essayent de tout faire pour être dans les clous. Par contre, ce n'est pas encore sûr. S'ils ne le font pas contre l'Algérie, si l'Ouganda ne joue pas contre l'Algérie, eux ont déjà des portes de sortie avec l'Égypte ou le Cameroun. Donc, ouais, un peu compliqué là cette gestion de match avec Petkovic. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a intitulé cette émission Petkovic face à la réalité du football africain. C'est des sujets en général qu'on n'a pas à traiter dans d'autres continents. Et c'est vrai que ça fait partie, c'est des choses où c'est bon, maintenant il met les pieds dans le plat. Il commence à être face à toutes les incertitudes, des problèmes. D'habitude qui sont pas dans son contrat et il va devoir y réfléchir. Comment on, en tant que coach, est-ce que vraiment une gestion d'un match amical qui par exemple peut ne pas se jouer, à quel point ça peut déconcentrer la gestion d'un rassemblement? C'est pas un match amical là. Rassure-moi. Je raconte. C'est contre la Guinée le match. Si, c'est un match officiel, Bilal. C'est un match officiel, hein. En fait, on joue deux matchs. C'est deux journées de qualification de la Coupe du Monde. Ah, les gars. Ce sera le 7 juin. Comment on appelle ça, là, les cartons, là, maintenant, qui vont mettre en place à 10 minutes. Carton bleu. Sans réfléchir beaucoup et tu reviens. Moi, je peux te le faire. Moi, je le connais. Moi, je peux te faire ça. Allez, hop, commande. Deux minutes, allez. Attends, il me dit, Bilal Aïchek, prends du repos. Allez, frère, Allah. Ah, le sommeil, c'est compliqué. Hein. Pour remettre dans le contexte, ouais, on va jouer la Guinée chez nous à Alger. Et on va se déplacer théoriquement en Ouganda pour affronter
l'Ouganda, donc quelques jours plus tard. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas dans quel stade on va jouer. L'Ouganda fait tout pour que jouer chez lui, à Kampala, sauf que la Confédération africaine a décidé que son stade n'est pas en norme. À la limite, nous, ça ne le regarde pas. On va continuer à préparer d'abord la Guinée et chez nous. Donc, il faut absolument gagner ce match pour mettre la Guinée à 6 points, voire plus. Bon, je crois qu'à 7 points, si on gagne ce match, ça serait un fossé quand même. Et derrière, aller préparer le match contre l'Ouganda, peu importe où. Et aujourd'hui, l'Ouganda se cherche une porte de sortie, que ce soit au Cameroun ou en Égypte. Et je rappelle juste qu'on a déjà joué en qualification de la Coupe d'Afrique contre l'Ouganda. Et on l'a joué en Cameroun. Donc, et l'Ouganda avait fait Zama ne faire jouer contre là où on avait perdu la CAN. Enfin, on s'est fait laminer à la CAN au Cameroun pour essayer de nous perturber. Sauf que ça n'a pas du tout joué et on a gagné là-bas 2-1. Donc aujourd'hui, je pense que nous, à la limite, on s'en fout complètement des histoires des Ougandais. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est de former l'équipe qui va pouvoir aller jouer en Afrique et continuer surtout à performer. Parce que, bon, Belmadi a fait des choses pas bien, peut-être, mais pas bien. Mais il a fait aussi des choses très bien, c'est-à-dire changer cette donne-là de la performance d'aller gagner en Afrique. En Afrique noire, surtout. Donc, continuer à gagner sur ces terrains-là, malgré la météo, malgré la pression, les terrains, etc. Après, il y a aussi l'Égypte. Hein. Il y a aussi l'Égypte qui serait sondée. Il y a aussi l'Égypte. En vrai, oui, il y a l'Égypte. Enfin, la CAF a proposé l'Égypte et le Cameroun. Et ça nous arrangerait, ça. Bien sûr, en Égypte, c'est mieux que d'aller au fin fond de l'Ouganda. C'est au Japon. À Japon, oui. Ouais. Tout en bas, c'est trop loin. Ça va faire peut-être 8 heures ou 9 heures de vol. Donc, si on part en Égypte, c'est déjà mieux. Déjà, l'Égypte, ça nous porte. Allez, on va être un petit peu susceptible, même si c'est pas bon. Enfin, ça nous a porté un petit peu bonheur. On a eu la CAN là-bas. Donc, ce serait bien de. Pas de chill, pas de chill comme ça, s'il te plaît, pas de chill. Ouais, pas de chill. non, je rigole. Je peux te rappeler toutes les défaites qu'on a eues en Égypte aussi. C'est vrai. Mais bon, après, moi, je pense qu'en Égypte, c'est mieux. Enfin, c'est mieux pour nous. Ouais. Ça m'a Sofiane Amar qui nous dit, les gars, les dernières rumeurs sur Olis sont vraies. Alors, moi, les dernières infos personnellement que j'ai, c'est qu'il y a bien eu une prise de contact. Ce serait l'objectif. Après, voilà. Le mec, il veut jouer pour l'équipe de France. Faut arrêter. C'est bon. Il y a Nigeria. J'ai dit prise de contact. Hein, prise de contact, c'est oui. Ça. Tu peux prendre contact avec. Ça fait 20 ans qu'il y a prise de contact, arrêtez. Le mec, il a rien à foutre de l'Algérie, il ne connaît même pas ce que c'est que l'Algérie, et là, vous me parlez de prise de contact. Allez, on a assez de bons joueurs chez nous, c'est bon, allez. D'ailleurs, il y a Biliz, hein, on va refaire un article dessus, pour de bonheur, je demande à la B, vite. Et d'ailleurs, il y a la fratrie, hein. Il y a la brigade anti-shirk. Barakallahu fikoum, d'ailleurs, voilà. La coach qui veille au grand. Voilà, il n'y a pas de colloque. oui. Non, bien sûr, c'est des sujets importants. Okay. On n'en rigole pas, bien sûr. Les gars, on va pouvoir continuer et conclure cette émission avec la dernière rubrique. La rubrique sur le football local, le Made in Algérie. Le Made in Algérie, coach, où on peut voir beaucoup d'actu. Cette actu du championnat avec le MCA qui court vers le titre. Ils ont eu un petit peu de flottement.
très très léger. On a senti un peu peut-être un retour des seconds couteaux et au final, finalement, ils sont très bien repris. Et bien évidemment, la JSK, le club mythique de la JSK qui touche le fond et creuse encore. On va aller vite fait sur le résultat de ce week-end. Donc, de ce week-end. Donc, ils ont joué depuis jeudi, le week-end en Algérie. Donc, Belouizdad, le match phare entre le CRB et Sétif. Donc, tout le monde l'a vu et a vu et revu l'épisode de pénalty des Sétifiens. Donc, le CRB qui a battu Sétif de 1 avec un dernier pénalty marqué pour les Sétifiens et qui s'est suivi par une bagarre entre les gens de Sétif et du CRB. Donc, ça, c'est entre parenthèses. Et donc, Belouizdad qui se replace à la troisième place. Et Sétif, je vais regarder juste le classement. Voilà. Et donc, Sétif garde sa cinquième place. Et Belouizdad, toujours avec deux matchs en retard et troisième avec 38 points. Concernant les matchs du vendredi, donc le Bayeux a été battu à la maison par Magra 2-0. Tu en parlais juste un instant. Le MCA gagne contre le dernier Souf 3-0. Schleff a été battu chez lui par la GS Saoura 2-1. Comme on dirait Nazim, Schleff, très cher à notre ami Khalifa. Biskra, dans les dernières minutes du match, bat la JSK 1-0, but à la 90e minute par l'ancien international Houeld, l'ancien du USMA aussi. Samedi, Ben Aknoun, qui est qui a absolument besoin de points pour se sauver, bat Khanchela 3-2. Khanchela qui vient de se séparer de son coach pour la troisième fois. Donc, on a un troisième changement de coach à Khanchela. Donc, c'est surtout le coach tunisien qui est arrivé au mois de février, qui s'en va, et donc qui a résilié son contrat. Et surtout, donc, le match du samedi, CS Constantine contre le Paradou. Donc, un très bon match. Donc, il en a parlé tout à l'heure à Sofiane. Donc, très bon match au stade de Constantine qui s'est fini par la victoire 2-1, dont un but de Madani, donc le néo-international, sur un corner et un cafouillage. Et donc, lui reprend, donc qui donne l'avantage au CSC qui l'a gardé tout le long de la deuxième période. Ce qui nous donne au classement, le MCA, donc Caracol en tête avec 52 points, 12 points d'avance sur le CSC qui a 40 points. Le CR Belouizdad avec deux matchs au moins et derrière à 2 points. L'USM Alger avec deux matchs aussi en retard à 35 points. Sétif 5e, 34. Le Paradou est 6e avec 32 points. Et au fin fond du classement, on a le MC Oran, très cher à Nazim. Donc, qui avant-dernier 15e avec 19 points, avec un match en retard, et l'US Souf avec seulement 7 points. Donc, 7 points en 22 matchs. Donc, voilà, ils ont. Ouais. Voilà, donc, ils ont déjà deux pieds, deux mains, il a toute la tête en Ligue 2. C'est un peu le sac de boxe du championnat, quoi. Ah bah. Le dernier match devait se jouer à Oran entre le MCO et l'USM Alger, donc qui a été reporté au 21 mai pour cause de match africain de l'USM Alger qu'on a parlé tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est pour le résultat du week-end. Donc on voulait parler aussi un peu, mettre un focus sur la JSK. Ouais. Donc la JSK qui aujourd'hui est 11e du championnat,
à seulement 4 points de Ben Aknoun, qui est non relégable, le premier non relégable, pardon. Et le MCO, qui a 19 points, qui a 8 points de la GSK. Juste pour faire un petit historique de ces dernières choses qui sont arrivées à la GSK, qui rappelle, la GSK a été rachetée, entre guillemets, par ouais. Mobilis. Mm. Donc, Mobilis, qui a parachuté un président, donc Achour Achloul, voilà. Et pour faire un peu l'image, c'est un peu la copie d'Armara qu'on a eue en équipe nationale et qui est actuellement au CRB. Donc un gars qui n'est pas du tout de l'univers du foot et qui a cherché à s'entourer des anciennes gloires de la GSK. Malgré un quart de finale l'année dernière en Ligue des Champions, ils ont quand même beaucoup de galères en championnat et ils ont fini... Comment ça, on sait tous comment ça marche dans les dernières journées dans le championnat algérien. En on tout avait cas, parlé, ils ont, ouais. On avait donc parlé. Ils ont viré l'entraîneur et ils ont ramené un nouveau qui a le pompier de service qui est connu pour ça en Algérie, qui s'appelle donc Bouzidi. Donc Bouzidi, sur 10 matchs, fait 6 victoires et 4 nuls. Comment on va aller, il a bien fait tourner l'équipe. Donc il garde la même équipe. Le même effectif, sauf que bah, cette fois-ci, en début de championnat, ça ne marche pas. Donc Bouzidi, qui est toujours là, fait une victoire, un nul, une défaite, et au bout de 3 matchs, il le vire. Il ramène le Portugais Almeida. Et pareil, Almeida, qui fait à peu près dans les mêmes... donc en 3 journées victoires, donc 3 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Viré aussi. Donc au mois de janvier, il vire aussi, donc il ramène ce qu'ils appellent en Kabylie « être sorti » et « être jeudi ». Donc il ramène « être jeudi » qui était directeur sportif à la place de Mined qui est parti au mois de novembre. Donc Mened qui est un grand joueur algérien, un grand joueur de la GSK, un grand nom. Ils l'ont emmené comme directeur sportif. Et au bout de 3 mois, il voit la cacophonie et s'en va. Et garde juste Zafour, qui est manager de recrutement. Plus seul, il veut recruter pas mal de choses. Donc il a fait un bon truc. Il a ramené par exemple Driss, qui est un bon défenseur, un bon jeune défenseur de Magra. Sauf que avec Aïdjoudi ça marche pas, donc Zafour ces derniers temps il est parti. Aïdjoudi après plusieurs défaites et donc 4 de suite actuellement, aujourd'hui a été démis de ses fonctions aujourd'hui. Donc la GSK n'a marqué qu'un seul but depuis le mois de février, n'a gagné qu'un seul match contre Magra qui est 12e depuis le mois de février, vient d'avoir 4 défaites de suite. 4 défaites de suite, 2 nuls et une victoire au mois de février. 6 matchs sans victoire. Voilà, et 6 matchs sans victoire. Et surtout, un seul but marqué en 7 matchs. Ouais, et 5 encaissés. C'est une situation qui est très, très, très compliquée pour eux. Voilà, donc... Comme tu l'as rappelé à celle de Naïd Cassier, comme tu l'as rappelé aussi, coach. Hein. Ouais, donc, il dit, les dernières journées... Il va y avoir des résultats incroyables, 0 succès en 10 matchs et par magie, on va gagner les 6 derniers matchs. On va gagner. ils ont viré des joueurs comme Burhan Chouch, qu'on a vu avec l'USMA, qui est un pilier, même si au niveau du championnat algérien, qui est un bon joueur du championnat algérien, parce que soi-disant, c'est une grosse gueule. Leur meilleur défenseur, Souyed, ils l'ont mis sur le banc. Le deuxième meilleur défenseur qui est Bouzaïd, qui sont partis chercher de Walgla, ils l'ont mis aussi sur le banc. Ouais, de toute façon, coach, voilà. je vais te couper un petit peu parce que ça va être un sujet qui va être ouvert. El Deoure Show de Hichem. Juste pour dire que les dernières journées du championnat pour la GSK, ça va être contre le MCO,
GSK MCO, ce qui est entraîné par le MCO bah, Bouzidi, l'ancien coach de. Donc le pompier, bah, le MCO qui est parti chercher un pompier pour la sauver. Ils vont aller. Ils vont recevoir le CSC deuxième et le MCA premier. Ils vont y aller à Ben Aknoun qui cherche des points aussi, qui est juste derrière la GSK. Donc ça va être une fin de championnat infernal pour la GSK. Je leur souhaite de rester. Voilà, mais... Ils jouent sa dernière cartouche. Parce qu'ils ont contacté un ancien joueur pour prendre direction de la GSK. Qui joue sa dernière cartouche. Et en fait, là, aujourd'hui, le problème, c'est la direction et tous les supporters de la GSK veulent la sortie de la direction, donc de Chelloul. Et donc, je me suis renseigné et merci à ceux qui ne veulent pas dire qu'ils ne veulent pas que je le cite, mais merci quand même. Et donc, aujourd'hui, il y a une grosse rumeur qui est en train de tourner. C'est le retour. Hakim Eddem qui était joueur à la GSK et donc qui a fait un peu le dos rond à la GSK qui a envie en tout cas de revenir en tant que président de la GSK et donc Mobilis va aller sûrement chercher Hakim Eddem sûrement pour la saison prochaine. Merci. Donc, Hakim Eddem, on le connaît, voilà, en tant que directeur sportif à un moment de l'équipe nationale. T'as une dernière question, on va conclure sur ça. Ouais, coach, ça serait intéressant parce que je me suis toujours posé cette question de faire des stats au niveau des différents clubs en Algérie sur le turnover des coachs et des joueurs. C'est pas une impression, c'est un turnover quand même qui est assez impressionnant. Exactement. D'une année à une autre, d'un mercato à une autre, on peut refaire l'effectif entier. On passe, il y a des équipes qui font six coachs. Je crois qu'on détient en moyenne cette année je me rappelle on jouait à jeu là avec Nazim au début de l'année même jusqu'à là, la rentrée on comptabilisait le nombre de coachs qui avaient quitté leur fonction et qui avaient quitté leur poste. On était à plus de la vingtaine, on a arrêté de compter. en moyenne une saison seulement, une année, en moyenne une équipe dans le championnat algérien consomme 3 entraîneurs par saison. C'est énorme. Et dans 6 ans et une autre, il y a des équipes qui renouvellent complètement leur effectif. Renouveler sans payer les salaires aussi. Elles se retrouvent avec des amendes. Comme Mohamed Farsi, il nous avait raconté, Yanni, quand il avait quitté le club, il a réclamé son dû. Ils lui ont dit, mais tu pars, pourquoi tu veux ton argent? par exemple, la GSK, elle a consommé Bouzidi, Almeida, Aïdjoudi, et donc le futur, là, qui pour l'instant c'est un intérimaire, mais donc le futur qui va arriver, donc à 4, combien de temps il va rester celui-là? Je ne sais pas. Donc 4, Younes Gaoui qui revient. Les gars, on va conclure. Oui, Younes Gaoui qui revient, oui. Les gars, on va conclure sur ça, 1h40 d'émission. Là où on devait faire une heure. c'est problématique. C'est le temps additionnel. C'est le temps additionnel pour l'arbitre de Berken. Déjà, on devait faire 5 minutes avec Adem et Yacine. Au début, on a fait 25 minutes. 20 minutes. On a fait 20 minutes, c'est vrai. Les gars, déjà, merci beaucoup. Moi, personnellement, je vous remercie, vous et les auditeurs, d'être restés présents et disponibles parce qu'à la base, c'était 19h, 20h30. Et je sais que, déjà, premièrement, il y a une préparation. Deuxièmement, il y a aussi un emploi du temps, il y a des familles, il y a tout ça derrière. Donc déjà, moi, je vous remercie, vous, les chroniqueurs, personnellement, et aussi les auditeurs d'être présents, de commenter et surtout n'oubliez pas, s'il vous plaît, de la même chose, de la même manière que pour Edem, on vous l'a dit, c'est gratuit et ça donne beaucoup de force si chacun d'entre vous likez, vous partagez et vous vous abonnez. Ça permet de faire monter la page et de proposer notre contenu à plus de personnes possibles. On a besoin que la visibilité du football algérien soit quelque chose de connu et reconnu. On pourra en plus, si on monte, avoir un contenu encore plus qualitatif
avec des gens qui seront consacrés à temps plein. Inch'Allah, c'est l'objectif. Les frères, merci beaucoup. N'oubliez pas, vous avez les informations de foot, fauteuil, des aides. Si vous avez des contacts, si vous avez des informations qui pourraient aider leur collectif, ils en seront clients avec grand plaisir. Vous pouvez aussi venir nous les donner à nous et on leur repartagera. Ils sont disponibles sur les réseaux, surtout sur Twitter, sur X. Pour ce qui est de Adam, oui, voilà, excusez-moi, et aussi un grand salam aussi à Samir du Taem Restaurant chez qui on va aller très prochainement. on attend la aide et je pense qu'on va c'est mercredi inchallah l'aide inchallah mercredi barakallah fik, coach, tu vois, bah, subhanallah, j'ai pas pu voir la formation. <J'ai même> pas... c'est officiel. C'est officiel, bah c'est bon. Je fais confiance. C'est le coach qui me le dit, je fais confiance. Non, c'est l'Arabie Saoudite qui le dit. La mise en mer. Non, c'est-à-dire si moi je prends l'information de coach, je sais que la source derrière, elle est comme ça. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Compris, on en a parlé tout à l'heure. Voilà. Moi, je voudrais remercier Sofiane. Sofiane qui, voilà, qui est avec nous là. Qui, bien sûr. Voilà. Il a assuré. Bravo. Merci, très grand plaisir d'avoir eu Sofiane. J'espère que t'as plu ta première expérience. Oui, ça a failli pas voir le jour, mais bon, on a réussi à le faire. Non, c'était plus que sympa et merci pour l'accueil. Et j'espère à d'autres occasions, j'espère. Un peu de gazouz, un peu de limonade. Voilà. Un peu de gazouz. Inch'Allah, avec grand plaisir. Oui, Yanni. Pour juste un mot de la fin, pour présenter nos condoléances à la famille du docteur Yassine Skini, qui est mort cette semaine. Ouais, c'est important de le mettre en aveu quand même. Et, on l'avait reçu dans l'émission il y a un an. Malheureusement. Interview très très vite coupée parce qu'on avait eu des problèmes, des gros problèmes de connexion, donc ça n'a pas pu se faire. Quelqu'un connu ah oui. Aussi avec son style très très atypique. Dans mon chapeau. Il nous avait demandé, je me rappelle, machallah, on avait fait l'image pour le visuel. On lui avait envoyé une première image très très belle de lui, très classe. Ouais. Et il nous a dit Non, moi ma marque de fabrique, elle est avec le chapeau, les gars. Vous le refaites. Donc, mashallah, voilà, c'était quelqu'un qui était très très apprécié dans le monde du journalisme. Avec les condoléances du président de la FIFA, quand même. Donc, ça prouve la valeur qu'il a sur le plan intercontinental, mis à part le plan continental avec la CAF. Bien évidemment, on demande à Allah de soulager sa famille. On demande à Allah aussi de lui agrandir les parois de sa tombe et qui lui facilite le jugement, le châtiment de la tombe et bien évidemment qui lui place une grande place au paradis. Amin, amin, amin. Les frères, c'est les derniers jours de Ramadan. On n'est pas sûr d'être présent l'année prochaine. Profiter et voilà qu'est-ce que je peux vous dire mercredi non, jeudi excusez-moi El Deori Show le petit frère de C'est vous l'expert avec Hichem aux manettes, la petite sœur Yanni, c'est bon, Bilal, on entend c'est bon. Que toi et l'équipe, l'équipe, les gars, on a une équipe explosive, très très grande qualité, et je vous le promets, pour la petite sœur de C'est vous l'expert, l'émission spéciale féminine qui aura lieu. Quelle date, Yanni? Mercredi prochain, Inch'Allah. Le 17 avril. On aura cette émission spéciale football féminin qui sera, je l'espère, le média pionnier du football féminin. Exactement. Et on a vraiment, vraiment des gens de très grande qualité. Et j'ose m'avancer en disant ça. On a bossé pour les avoir, donc on vous attend pour visionner l'émission et on attend vos retours. C'est très important pour nous.
C'est exactement ça. Sofiane, merci beaucoup. On espère se revoir, Inch'Allah, les semaines prochaines. Hein, dans les prochaines émissions. Maintenant que tu intègres cette équipe, c'est vous l'expert. Attendez-vous à voir Sofiane plus souvent. Avec plaisir. Un plaisir à partager. Coach, oui. Merci. Toujours. Toujours dispo, toujours facile. ces derniers temps, oui, on verra après, mais voilà. Donc, normalement, pour lundi prochain, je suis dispo. Et pour les autres lundis, un peu moins, mais lundi prochain, Inch'Allah, si tu veux bien de moi, je serai là. toujours. Le coach, il a besoin que je lui envoie beaucoup d'amour. sinon, après, il sera parti. Voilà, vous ne savez pas, les gars. Après il m'attaque. Heureusement, ce n'est pas mon voisin de palier. Comme il défait le leg, ne le jage rien. On a besoin, on a beaucoup d'affection à donner. Voilà. Coach, sinon, cette émission, elle a pas la même saveur, la vérité. Ah oui. Merci. Coach, il y a Adlan aussi, hein. Tu vois. Adlan, il est sorti du maillot, il est sorti du match. Je l'ai sorti là pour l'émission. Il est sorti comme Brahimi. Orgas qui a écrit Belize, un grand bonjour à Belize, que j'ai connu il y a très très longtemps. Les gars, ça peut être une bonne idée, ça, les frères. Avec plaisir. Lors des tournois qu'on faisait à la porte de Bagnolet, et donc lui, il venait de Bordeaux pour jouer avec nous. Et donc, on organisait un tournoi. Et donc, on organisait un tournoi avec tous les auditeurs de cette époque-là. Et donc, ça doit faire au moins 10-15 ans, voire plus. On avait contacté un forum marocain, tunisien, et donc ils étaient venus avec des équipes. C'est beau, ça. Et voilà, on avait une douzaine d'équipes. Même le papa de Karim Ziani, Rabah Ziani, était venu avec son équipe. Donc il était venu avec d'anciens joueurs d'équipe nationale algérienne. Et donc on passait toute la journée, un samedi après-midi, à la porte de Bagnolet, Montreuil, sur les terrains. Et ce jour-là, donc on avait rencontré Belize et d'autres. Et depuis ce jour, c'est un grand monsieur, Belize, et je le remercie. Et je le remercie en tout cas pour nous suivre aujourd'hui, comme quoi. Hein. Donc, à tous les autres, donc les anciens, Khalifa, Nazim, Ahmed, voilà, donc qu'on s'est connus pendant ces. Qui ? T'as pas oublié le frère ? Si, Rabia, bien sûr. C'était lui le capitaine d'équipe. ça aussi, coach, hein, c'est typiquement chez nous. Hein. La fratrie passe toujours en second. C'est le capitaine d'équipe et c'est lui qui menait l'équipe Sirat. On nous appelait l'équipe Sirat. Et moi, je revenais de la rupture des ligaments croisés, donc j'ai joué dans les buts. Et on a remporté un ou deux tournois et on a perdu une finale contre l'équipe de Rabah Ziani. Et donc, voilà. C'est des beaux souvenirs. Sur cette belle nostalgie que moi, je n'ai pas, mais que les anciens, vous avez. Inch'Allah, nous, la nouvelle génération, on aimerait bien vivre ça. Et franchement, on aimerait bien un match contre l'équipe, bah oui, ça nous va, nous. Avec les auditeurs. Bilal, tu as touché juste quelques mots, enfin, quelques temps avec nous. On a fait un five il n'y a pas longtemps, au mois de décembre, je crois. Et voilà, t'as vu l'ambiance qu'il y avait et la technique. Les anciens, ils ont l'expérience. Ils ont le petit déplacement de hanche spécial, même si c'est qu'il n'a pas la vitesse, le petit coup de hanche. Comme ça, il a le temps après de relancer tranquille. C'est terrible. Juste à la limite de la faute, à l'italienne. Mashallah. Voilà. Les gars, merci beaucoup pour votre présence. Inch'Allah, la semaine prochaine, on se retrouve. Barakallahu fikoum de nous avoir suivis une bonne fin de Ramadan à vous. On ne se retrouve pas. Assalamu alaikum. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Saharikoum. L'Aïd à l'avance. Mais voilà, vous savez que Rabbi yaqbal qiyamkoum wa siyamkoum, inshallah. Allahumma amin. Allez, assalamu alaikum tout le monde. Allez, sahurkoum. Sahurkoum. من بالله
الساحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات نحن طرنا في حياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا